À quelques jours de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina, le thème est discuté dans les différentes régions du pays. De Kaya à Kongoussi, en passant par Boulsa, les conférences portent toutes sur la démocratie, les défis sécuritaires et le progrès économique et social. Ce qu'il faut en retenir, c'est dans ce reportage que signent Linda Kabore et Vincent Kiendrobeogo. À Kongoussi, trois sujets tirés du thème de la célébration de la fête de l'indépendance font l'objet des discussions. Il s'agit de la participation citoyenne au développement durable à travers les initiatives locales, de la contribution de la jeunesse burkinabè à la démocratie et au progrès économique et social, mais aussi de l'impact des menaces sécuritaires sur ces progrès. Les débats sont animés par des personnes averties de ces questions dans une démarche participative. Il s'agit essentiellement donc d'avoir cette participation des populations à cette thématique qui est une question importante, notre développement, notre démocratie face à ces défis sécuritaires-là. Il est donc important d'échanger avec les populations, de leur apporter le message du gouvernement sur ces questions-là, de leur donner des clés pour percevoir et comprendre la situation, mais également de recevoir en retour leurs préoccupations et leurs sentiments sur ces questions. Il nous faut donc accepter qu'en tant que citoyens, nous avons un certain nombre d'obligations vis-à-vis de notre État, tout comme notre État a un certain nombre d'obligations en termes de devoirs vis-à-vis de nous. Ces conférences publiques entrent dans le cadre du programme d'activité du 11 décembre, dans l'objectif d'outiller les citoyens face aux défis du moment. Défis résumés par le thème de la commémoration, à savoir démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social.